Bonjour à tous et à toutes sur le CBD pour la suite de Reef of Fire 2. On enchaîne avec, si je me trompe pas, le 11e épisode, 11e session pour ma part. À l'heure actuelle, selon les stats, je suis à 11h30 de jeu. Voilà, merci RomeStation de me dire des choses incroyables. J'ai fait quelques petites modifications, j'ai acheté quelques objets, j'ai acheté deux équipements pour Ryu et aussi pour Nina. Mais cet épisode, j'espère qu'on va avoir la mouche, comme le dirait l'histoire racontée par les chaussettes. La mouche est sortie, est partie à gauche. J'ai envie d'aller un petit peu à droite. Je vais faire un résumé rapide de l'épisode précédent. On a remis le roi crapaud dans son environnement naturel, les Jean-Michel Crapaud, évidemment, cet épisode de doublage incroyable. Jean-Michel Crapaud, donc, que l'on a secouru, c'était un imposteur. Mais selon sa sœur, c'était pas un imposteur, c'était l'imposteur qui était l'imposteur. Et du coup, la preuve pour laquelle il n'était pas imposteur, et ben en fait, l'imposteur, il l'a aussi. Et maintenant, ça se transforme en concours de bouffe, tel le petit cuistot. Le petit chef, j'ai oublié le nom, je crois que c'est le petit chef. Et nous devons récupérer la mouche d'or pour faire un dessert pour le roi, qui départagera qui est le vrai héritier, qui est l'imposteur, comment, pourquoi, à quel moment, je ne sais pas. Je vais aller à droite, parce qu'il y a un truc à droite, la mouche est partie à gauche, je me redis. Mais surtout cet épisode, comme beaucoup, et comme d'autres futurs, sera pour farmer de l'argent et de l'XP. On remarque quand même que mon équipe est presque niveau 15 partout, ce qui est pas trop mal, mais j'ai plus de thunes, j'ai zéro thune. J'ai tout utilisé dans l'équipement et pour acheter des objets de soins. Et encore, là j'ai presque tous les objets que l'on me propose, tous les objets puissants qui me sont proposés à acheter, je les ai pas. Mais dès que je les aurai tous, je pense que j'aurai encore besoin de grinder un peu. Ah, y a un tas de choses ici qui ont un drôle d'aspect. Je peux pas croire qu'ils cuisinent ça. D'accord, Jean-Michel. Il y a un coffre aussi. Oh, des coffres. Ils imitent. Traduction française. Zombie. J'ai pas pris d'objet pour zombie par contre. Est-ce que je vais mourir si je suis zombie? Grande question. Très grande question. Est-ce que ça reste hors combat zombie? Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Et aussi, si à certains moments je dois faire des allers-retours, parce que je vais devoir en faire des allers-retours pour me soigner et pour dormir, ça prend 5 minutes. Et c'est long 5 minutes, du coup je vais couper. Je vais pas faire un fast-forward, je vais couper. Je coupe dans le tas, je suis comme ça, et d'accord. Oh, moi, je visite. Ah, bah d'accord, en fait, c'était pour ça. A obtenu un soin BL qui redonne 100 points de vie, et c'est génial. Et un bunker. La traduction. Alors, objet. On peut voir quand même que niveau soin, j'ai 30 soins de 100 points de vie. Ah, j'ai quand même des remèdes. Alors, un soin BLX, ça doit redonner. Ouais, non, c'est normal. Un bandana, augmente le courage. D'accord, le courage. Et bon, on va donner ça à Kat. Voilà, qui a plus de courage maintenant. À quoi ça va servir? Je sais pas. Attaque surprise, impeccable. Peut-être soigner Kat. Donc voilà, on va. Vous, je ne sais pas si ça. Je ne sais pas en fait si regarder du RPG comme ça où c'est juste un mec qui attaque, qui farm, c'est plaisant. Je sais de base que. Ah, un drop. Un sou. Je vais voir ce que c'est. Je vais finir ma fois sinon je vais me perdre. C'est un mec qui regarde enfin qui fait un du RPG en général, si ça bouge beaucoup. Un sou, ok, pour utiliser. Ça intéresse des gens. Si c'est du JRPG ou c'est en temps réel, ça a l'air d'aller. Si c'est du tour par tour, c'est un peu chiant.
Moi, ce que j'essaye de faire, c'est juste de vous montrer ce que je ne connais pas. Et dès qu'on fait des allers-retours ou une farm, bah là, il n'y a rien d'intéressant, donc on passe. Nous sommes venus ici en risquant nos vies pour capturer les cafards sauvages. Mais il n'y a que les cafards bleus. Les cafards bleus ne sont pas comestibles. Ok, frère. Land, je vais dire soin pour elle. Ok, frère. Bah, il me faut du cafard. Oh, je peux les combattre, trop bien. Je tiens à dire quand même que le cafard, il fait, si on se tient à l'échelle, il fait la taille, il va jusqu'à mes genoux. Et autant dire que je suis pas confiant. Et le cafard, il résiste. Le cafard résiste. Il résiste quand même pas mal. Donc, le cafard, est-ce que je suis sûr et certain qu'il y a quelque chose à faire? Je vais pas du tout au bon chemin. C'est mon problème, je vais pas là où il faut. En tout cas, ça enchaîne les. Ça peut être du farm aussi, ça, les cafards. Un petit farm, parce que 240 d'XP, pas bien ouf. Bon, là, je sens que je vais me. J'ai la peur de me fight contre quelque chose. Et je sais, je devrais pas avoir peur de me battre contre quelque chose, mais. Réflexe. Ah, c'est vrai qu'il m'a mis cher avec le critique. Ok, c'est une sorte de labyrinthe. Ok. Faut que j'aille jusqu'au bout. Sans croiser le chemin des scarabées bleus. Oui. Heureusement, au niveau des critiques, le jeu est sympa avec moi depuis le début. Alors, je réfléchis parce qu'il faut que je dose mon chemin. Ah ouais, c'est dès que je suis à côté en fait. Même pas besoin qu'elle soit en face de moi. Il y a du routing. C'est intéressant comme phase de jeu, je trouve. C'est pas que du RPG, c'est prévoir sa course. Ok, alors. Alors, là, ouais, en bas, y a rien. Ah, là, si je vais là, là, je dois obligatoirement faire un combat. Là, je dois obligatoirement. Comme quoi, l'End et ses 4 points de magie y servent. Ce qui m'inquiète, c'est 4 et 6 points de vie qui augmentent tellement pas vite. Yeah, de l'herbe. Trop bien. De l'herbe pour 4. Ça m'économise un soin. Ah! Le fameux scarabée. Enfin, scarabée. Non, c'est pas du tout un scarabée. Alors, du coup. Allez, on va claquer le premier soin. Donc c'est le, ça va être les boss animaux pour la bouffe. T'as le petit chef, gros cafard. Je sais pas faire le gros cafard. Alors le gros cafard comme ça, je l'ai déjà vu, je l'ai battu dans la maison du vieux. Alors cafard grand, je ne sais pas combien d'attaques il a. Nina, ma petite Nina, s'il te plaît, si on s'en tient à la logique, ça doit être utile le feu. Première esquive, ça va. Est-ce que si je le bats après, tous les cafards se cassent? Bonne question. Bon, Nina fait un sort qui était ma foi fort incroyable. On va faire attaque moins, dans l'espoir que ça passe. 43. Ça pique fort. Est-ce que ça passe? Ah, ça passe pas.
C'est dommage. Ouh, 120. 120. C'est pas mal, 120. Bah, Nina. Nina, Nina. Allez. Au moins la défense. S'il te plaît. En termes de défense, elle a tellement rien. 4. Ça, il me tape des critiques qui se rapprochent des 200, c'est vachement bien. Oh, celui-là il passe. Oh, il bouffe. Oh, là il va bouffer, je pense. Un tour de flamme. Pour le moment, ça se passe bien. Je vais quand même utiliser le vent. Voir si ça change quelque chose. Oh, la riposte. La riposte. Ça fait un moment que j'en avais pas vu. 93 de dégâts. Ça va. Ouf. Alors, le vent inutile. Sinon, qu'est-ce que j'avais? J'avais froid. J'ai donné un coup dans le cou, je m'en excuse. Ça, du 100 de dégâts juste avec Ryu, c'est faux, c'est fort. Ok, bon, alors feu, sûr et certain. C'est un sac à PV ce truc par contre. C'est vraiment un sac à PV. Est-ce que j'ai pas quelque chose? Est-ce que je claque l'orage dans le doute? Je vais claquer l'orage, voir ce que ça fait. Si jamais je le tue pas avant. Bon bah voilà. 2000 d'XP. Oh là là. Yeah, on a attrapé un cafard. Bon, on a un ingrédient sur. D'accord, bon bah c'était ça l'équipe. Ah non, cette salle n'est pas vide. MDR. Attaque surprise. Bon. Bon bah ça c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. On a fait un premier boss qui s'est relativement bien passé. Je vais quand même utiliser un sort sur sur moi. Je pense que remonter pour me soigner à l'auberge, ça ne vaut pas le coup. Ah ouais, ça c'était une des choses que je redoutais. Est-ce que je peux le faire first try sans croiser le chemin de Persor? Oh là là, c'est beau. Oh, oh c'est beau. Ok. Ah là par contre, ça va être un poil plus complexe. Là par contre, ouais non, je vais me fight contre elle déjà. Je vais aller à gauche parce que j'y suis pas allé. Et je ne sais pas ce qu'il y a. Ça se trouve, il n'y a rien. De toute façon, j'y vais juste comme ça pour, en touriste. Donc j'ai un cafard, il faut aussi que j'ai un ver et la mouche. Il me semble aussi qu'il faut que j'ai un ver, ouais. Oh, oh là, je me suis fait avoir. Pas assez rapide, Jean-Pierre. Pas assez rapide. Pour le moment, je suis assez fier. Ça fait que 15 minutes. Mais ça va. Ça se passe. Oh, ça enchaîne les critiques. Oh, c'est beau. Quand ça se passe comme ça, c'est tout bénef. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un... Jean-Mi. Je pense qu'il y a un paquet de cafards et de vers féroces qui se sont échappés des châteaux dans les sous-sols. Ouais, mais Jean-Mi, casse-toi. Tu me bloques le chemin. Connard. Je continuerai de l'appeler ce peuple les Jean-Michel Crapaud d'ailleurs. Et je vous invite à rechercher Jean-Michel Crapaud sur YouTube. Ça date un peu, donc je comprends que certains ne connaissent pas. Ok. Ah, je peux le bloquer avec mes personnages. Oh, est-ce qu'il y a moyen de gruger le jeu?
comme ça. Alors, c'est gruger le jeu, mais de manière pas cool. Bon, non, c'est chiant. Non, je vais m'en taper deux, génial. Je pensais que je pouvais gruger le jeu, j'ai pas pu. Génial. Tant pis! Ouais, le deuxième qu'à faire. Ouch. Oh, c'est vrai. Le zéro de défense, très agréable. J'apprécie. J'apprécie, mais énormément. Très très cool, très très bien. Alors, je me suis fait avoir par derrière. Je me fais avoir par derrière, madame la juge. Ça compte pas. Oh, bon, c'est... Oh, j'ai eu peur. J'ai eu très très peur que ce soit 4. En tout cas, c'est phalange fer sur l'end. Meilleur investissement. Bon. On va se soigner. On va se calmer. Sort. Voilà. Bon, Jean-Mi, j'ai le cafard. Ça me... Ouais, bon, d'accord. Ouais, mais... ouais, je sais. Ouais, je sais. Bouhouhou, trop triste. RT, si t'es triste, je connais. Bon, maintenant, je vais m'attaquer à la mouche. Bon, attaque surprise, c'est gratuit, ça. Peut-être l'XP gratuit, ça. Moi, j'aime bien quand c'est gratuit. Ah, petite défense. C'est rare les ennemis qui se mettent en défense d'ailleurs. Bon, alors la mouche. J'espère que vous êtes prêts pour le doublage. J'espère. Une mouche d'or, voilà ici. Croyez-vous que ce soit la légendaire mouche d'or? Oui. Je pense qu'il y a un paquet de cafards de oui. Mais ton pote Jean-Michel m'a dit la même chose tout à l'heure. Calme-toi. Les nazis me suivent. Je suis là, venez m'attraper. Je suis une mouche. Imitation de la mouche. Depuis des années. Je crois qu'il y a un Jean-Michel. Il y a un poisson il y a... ou Jean-Michel en bas. Je sais pas ce que c'est. Soit Jean-Michel, soit la mouche. Une mouche dans l'eau, je. C'est pas que j'y crois pas, mais. C'est un peu douche. C'est un peu Gilles. Oh c'était nul ce jeu de mots. Oh, je sais pas si je le garde. Je pense que je vais le garder. Oh là là, ce critique. Oh là là, ce critique. Oh là là, cet XP. Moi j'aime ça l'XP. Ah, il y en a un deuxième là. Le voyez-vous? Le voyez-vous? Ça se trouve, je vais me retrouver avec trois boss. Ça me rappelait un certain jeu. Ouh! Alors là, autant je pense que ce sort n'aura jamais été aussi efficace que maintenant. J'aurais pu faire orage, mais quoi? Immunisé? Ah! Immunisé au sort. Je pense que zombie doit affecter les stats et pas les points de vie. Ça sera à la fin plus de zombification, plus... ils vont bien. À la fin ils vont bien, c'est... Non, c'est un zombie passif, c'est... Oh,
Ah non, non, c'était une pierre. Non, tout va bien, les gars. Calmez-vous. Ah, je suis à 1000 de pognon, c'est incroyable. Oh, est-ce que je peux faire de la pêche ici? Je ne sais pas. T'as encore? Bon, je pense que là, par contre, je vais être obligé. Ouf. Voilà. Je pense qu'à un moment, par contre, je vais être obligé de faire un aller-retour à l'auberge pour me soigner. J'ai gardé 9 points de magie pour l'end. Ah, voilà. Alors là, par contre, Nina, si elle arrive à me faire revivre un 4 du premier coup, je continue. Sinon, je fais sortie. Et petit cut pour me soigner. Oh, premier coup! Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. First try, GG. Ah, encore un petit poisson. Je vais sans doute me faire agresser. Putain, je le sais, je le savais. Je le savais. Je le savais. Je l'ai vu de loin. Ça, je l'avais pas vu. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, c'est un verre. Un verre. Un verre géant. Voilà. Un verre géant. Ok, donc 4, Lent, et puis Nina. Il est dans l'eau. Il est dans l'eau. Donc, si je fais éclair, ça doit être efficace. 50. Oh, je vais me faire défonce. Oh, je sens que je vais me faire défonce. Ça, c'est... Oh, le salaud. Oh, le salaud. Oh. Attends, il riposte tout, là. Attends, il riposte tout, là. Ouh, ça va être... Bon. Non, non, non. Ryu, sort. Foudre. Oh, ça va être... ça ne fait pas mal. C'est moi ou elle vient de... Elle s'est pris un critique, genre un coup mortel, et elle est pas morte. J'ai pas compris. 256. Ça fait rien. Ça ne fait rien. C'est quoi ces critiques de l'enfer là? C'est quoi ces coups de l'enfer? Qu'est-ce que c'est que ces coups de l'enfer là que je suis en train de me prendre? Qu'est-ce que c'est que ce boss de ces morts? Qu'est-ce qui se passe? Nina va crever, j'en suis. C'est une certitude qu'elle va crever. Alors, il y a quand même une petite animation en plus lorsqu'il fait un critique. Ou une attaque spéciale, c'est qu'il a un petit jet d'eau qui lui sort de la bouche. Je pense que c'est une bouche. Bah, Elon qui a zéro sort. Je peux utiliser éclair. Je tente l'éclair. Je tente l'éclair, je suis pas convaincu de ce qui va se passer. Vraiment pas. Pas à Freepost. Si ça passe, mais c'est du génie ce qui se passe. Oh là là. Oh, j'ai peur. Je sais pas si c'était censé me dire que c'était utile, mais... Dans le doute. Par contre, Mina, maintenant, il en a plus rien à faire. Oh oui. Nina est même pas réveillée. Starnak. Je prends tellement cher dans mes dents. Oh là là, je prends tellement cher. J'ai fait quoi? J'ai fait une mauvaise manip. J'ai fait fuir. J'ai fait droite au lieu de bas. Sac. C'est ma faute. Heureusement, je crois que je l'ai esquivé. J'ai pas fait attention, mais je crois que j'ai esquivé. Oh là là là, mais quel combat, c'est mort. Non, c'est moyen, il esquive. Je vais tellement mourir.
Hop, la petite riposte. Bon bah c'était pas dur. Soin 2. Ah bien, Nina niveau 16. Merci Elgar d'XP. Est-ce que du coup ça fait réapparaître le pont? À attraper le verre. Yes! Ah. Le grand chef vert s'est avéré être une mauviette à se faire attraper par vous. Ouais, oh merde. Au secours. Est-ce que j'ai bien fait d'aller à droite? Sans doute pas. Bon. Le problème se pose que je ne peux pas traverser ce pont. Là, techniquement, l'histoire me dit non, c'est mort. C'est mort, tu... Non. Arrête-toi tout de suite. Donc, je suppose que je dois dire à Jean-Michel Crapaud, imposteur, pas imposteur. J'ai oublié son nom, je m'en excuse. Et c'est bête. J'ai obtenu un sou. Bon, je pourrais pêcher. Un jour, la pêche. Ouais. Donc là, je suppose que je dois faire demi-tour et dire à Jean-Michel Crapaud, hey, « Eh frère, la mouche, c'est pas mon bagne. Je peux pas y aller tout seul. Vas-y, viens. S'en fout de ta popote. » Je sais pas ce que j'ai fait comme ennemi. Je sais pas qui me... Je suis perdu, là, je vous le dis, je suis perdu. Je pense, dès que je sors, je fais une ellipse où je me soigne et où je vais directement voir Jean-Michel Crapaud. Ça va être le plan. Paf, critique. Oh, quête niveau 16, merci. T'as utilisé un soin par contre. Ok, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pensais qu'il fallait retrouver Jean-Michel Crapaud, qui était en train de cuisiner, sauf qu'il est bloqué dans le loop, il me faut tous les ingrédients. Et là, je me suis dit, attends, est-ce que je suis pas allé trop vite quelque part? Et en fait, si. Je me suis trompé d'ordre. J'ai fait scarabée, enfin j'ai fait cafard, vert. Et en fait, j'allais faire vert, cafard et la salle au-dessus où c'était vide. Je me disais, bon, y a rien. Devinez ce qu'il y a maintenant. Devinez ce qu'il y a actuellement. Il y a la mouche. La mouche. Du coup, eh ben, je dois faire un aller-retour en plus. Je vous le passe aussi parce que c'est pas intéressant. Mais c'était juste pour vous informer que bon, je suis allé un petit peu trop vite. Voilà, voilà. Je dois m'en aller. Voilà, et c'était ça. Je suis allé trop vite là. À ce moment précis. Est-ce que le cafard peut se bouger le nu? Ouais, non. Oui. Allez. Je dois m'en aller. C'était censé me montrer le chemin. Oh, raté. Oh, c'est moche. J'ai raté. Mince. Bon, alors. Vous êtes têtu, on a pas abandonné, mais c'est tranquille. Voilà, et là normalement devait y avoir un boss. Et en fait c'est là où je suis allé trop vite. Et donc c'est là où c'est le combat. Vous êtes les premiers à baisser la maman poursuivie aussi loin, mais un perdant est un perdant. Ne l'oubliez pas, qui vous avez à faire? La moche. Et je ne sais toujours pas c'est quoi. Mais Nina qui a déjà dû ressusciter deux fois Kat parce que Kat a zéro de défense. Retenez bien ça, Kat peut mourir à tout moment. Et c'est vrai qu'elle a deux coups, cette saleté, et elle riposte. J'aime pas quand ça riposte. Quand ça riposte, j'ai l'impression que je me dis, hey, en vrai mec. Tu crois franchement que ça va faire échec, Eric. Au secours, aidez-moi, help. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour mériter ça? Bon, bah Nina.
Nina. Allez. Flamme. 48 de dégâts. Elle est morte. Au secours. Oh là là, ce combat de l'angoisse contre la mouche. Si ça riposte, hein, c'est quoi ce sort nul? Oh là 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 là. Oh là là là. C'est... Ce qui se passe, c'est juste moche, quoi. Et surtout, ne me mets pas automatiquement sur le personnage que je veux ressusciter. Non, surtout pas. Mais je lui mets 0 en dégâts, je lui mets 37, c'est nul 37. Le petit ange qui tape sur 4 pour la faire revivre. Pourquoi pas? Oh mais je me fais mais rouler dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Ah mais non. Eh, j'ai un sort. Lol, j'ai soin 2. Soin 2 que je n'utiliserai jamais. Dragon glace. De toute façon, ça fera 256 de dégâts. Tout le monde le sait, ce n'est pas un spoiler. Un soin sur toi. L'Inde va faire un soin aussi, ça va être le tour du soin. Et Nina. Nina, s'il te plaît. Le sort doit passer. S'il te plaît. J'avais pas dit que j'attaquais avec magie. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah, c'était la riposte, ok. Yeah. Eh ben, c'était bien naze. Mais au moins, ça suffit. Yes, niveau 16. Yeah, remède. Wouh. Trop bien. Retenez bien ça. Retenez bien cette phrase. Dans un jeu français, la localisation française. C'est la première fois que je joue ça pour un jeu de Super NES. Oh merde, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le jeu. J'ai attrapé la mouche. La mouche de ses morts. Pardon. Excusez-moi, je m'emporte. Je m'emporte, mais je suis content. Voilà. Bon, je pense que je vais encore que t'es. Encore que t'es, encore que t'es, mais. Voilà, voilà. C'est comme ça que ça se passe. Et puis après, on va aller directement voir Jean-Michel Cuistot pour le concours du petit chef. Et j'arrive à la cuisine. Je sais pas depuis combien de temps mon micro était coupé. Donc j'ai très peur d'avoir parlé dans le vent pendant le combat de boss. Voilà, c'est ma crainte. Les erreurs de débutants. J'en ai fait, je le ferai tout le temps, ça aussi. Alors, Jean-Michel Doublage. Concentration. Moi, je sais qu'il est fort bien. Non, allez, un verre, une mouche et un cafard. Ah, vous avez collecté d'excellents ingrédients. Non, je vais pouvoir préparer un véritable festin avec ça. On dirait que tous les ingrédients ont été rassemblés. Alors je pense qu'il ne me reste plus que la touche finale. Il y a Jean-Michel Crapaud qui s'est barré en cuisine. Merci beaucoup pour avoir trouvé de si bons ingrédients. Je vous suis vraiment reconnaissante. S'il vous plaît, attendez. Dans la salle à manger. Oh, un bon repas c'est fait avec amour. La 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 la. La salle à manger en haut. Et là, je sens une embuscade. Salle à manger. On est d'accord, c'est là, la salle à manger. Hein. C'est là, salle à manger. La salle à manger. Attends. Il y a Jean-Michel Crapaud qui s'est barré en bas. Je l'ai vu, Jean-Michel Crapaud qui s'est barré en bas. Non, mais... Ah, bonjour. Ne dérangez pas, prince. Mais tu... Jean-Mi, calme-toi. Attendez, là-haut, n'essaie pas de t'échapper. Bon, d'accord. Je peux pas aller aux toilettes avant, non. Alors, attendez là-haut. Bon bah, là-haut. On attend. Hein. Bonjour. Ça va bientôt commencer, veuillez patienter. Ah, ça y est, ça commence à aller parler au cuistot. Alors,
Nous allons maintenant commencer le concours. Concurrent, veuillez avancer vos assiettes sur la table. Oh, ça fait très voix de droite, ça. Rendez-moi gâteau. Alors ça, c'est le prince écale, le faux prince écale, et ça, c'est Jean-Michel Crapaud qui ramène ses propres plats, et c'est beau. C'est pas mal. Ah, tu es un homme pitoyable, là. Si tu n'avais pas essayé d'être à nouveau le prince et étais resté bien sagement dans le donjon, ta vie aurait été épargnée. Je n'en ai cure d'être le prince ou pas, mais je ne pouvais laisser le fardeau d'être le frère de Pénapé sur les épaules d'un étranger. Le roi et la princesse sont arrivés. Et ils sont en haut. Princesse que je ne me souviens pas avoir vue une fois avant. Je dois être avec, sûrement. Nous apprécierons quelques mots de notre majesté le roi. Je vous en prie. Bonne chance à tous les deux, à lui aussi, je sais pas. Ah mais d'accord, la princesse, c'est, je pensais que c'était sa femme, non. Bizarre, père semble sérieux pour une fois. Je vais maintenant expliquer les règles du concours. Le vainqueur sera choisi par un vote à la majorité. Les juges seront nous trois, le roi, la princesse et moi-même, le chef cuistot. Je suis un chef. Est-ce que cela vous convient, princesse? Eh, c'est bien. Le roi et la princesse vont mener la dégustation à l'étage. D'accord. Nous allons maintenant d'abord goûter la nourriture préparée par le prince écale. Le menu que j'ai préparé est des nouilles au verre, des cafards frits et un pudding à la mouche. Et je n'ai pas mis d'arsenic dedans. MDR. C'est exquis. Oh, le verre est ferme mais l'harmonie avec la grille est simplement merveilleuse. Ah, ils se l'enfilent comme ça, d'accord. Ah, les cafards sont frits dans leur propre huile. Quoi? Je vois, c'est croustillant à l'extérieur et juteux à l'intérieur. Ah, c'est le meilleur. Ah, j'aime bien. Ce sont des mouches. Oh, vous avez utilisé des mouches bleues? Des mouches bleues. Je suis stupéfait que vous ayez utilisé un tel délice pour un concours avec un homme comme celui-là. Ah oui, la mouche bleue est bien entendu délicieuse et le côté asticot du plat est parfait. Et quoi? Quel asticot? Je ne peux rien demander de plus. Maintenant, j'ai goûté les plats du concurrent. Ah, voici mon menu. Un verre avec de la sauce au caramel, un cafard et salade verte aux oignons et un pudding à la mouche. Ah, ce sont tous des plats que j'ai appris de vous il y a des années. Excusez-moi, mais je vous ai jamais appris à cuisiner. Maintenant, je vais commencer à goûter. What? D'abord, le verre. Tu as utilisé les bons ingrédients. Mais c'est une honte que ce soit aussi fade. Ah, le verre devient dur et perd de sa saveur s'il est trop gros. Oh putain, c'est Philippe et Chebest en fait. Après vient le cafard. Oh, c'est un cafard sauvage. Il y a 5 ans. Le mieux que vous puissiez obtenir pour de la viande tendre. Mais la combinaison est impensable. Pour cela, vous auriez dû utiliser des poireaux à la place des oignons verts. Des oignons verts. Putain, excusez-moi, je m'ai trompé. Et enfin, la mouche. Voyons cela. Oh. Ah, c'est un délice! Et qu'est-ce qu'il y a, chef Custo? Oh, c'est rien! Vous n'avez pas fait ressortir le bon parfum de la mouche! C'est totalement hors sujet, d'après moi! La cuisine de Prince Égal est supérieure pour tous les plats! Ah mon dieu! Bon, cette révélation de ouf que j'ai! Un instant! Et les deux autres plats pourraient avoir. Voilà. Les deux autres plats pourraient avoir un peu de parfum. Je suis arrivé. Mais la mouche, c'est une autre histoire. Il n'y a pas moyen que toi, en tant que chef cuistot, tu ne puisses apprécier le plat de la mouche d'or. Ah mon dieu. Je pense que mon frère est le vainqueur. Son pudding à la mouche d'or, c'est merveilleux qu'il fait plus de rattraper les deux autres plats. Apprends à lire colère. Le vainqueur. Le prince écale. Lequel?
celui qui est à gauche par rapport à moi, mais là je suis retourné, je sais pas si vous n'êtes pas satisfait, faites goûter les autres cuistots. D'après à gauche, donc gauche c'est la gauche là, droite, on va dire que c'est la gauche de là où je suis en face. C'est affreux, c'est vraiment mauvais. Oh, c'est dégueulasse, c'est affreux, c'est vraiment mauvais. C'est ignoble, c'est horrible, mais je vais prendre une autre bouchée quand dans l'autre. Ce fou, oh là là. Oh, on ne peut pas avoir confiance dans les cuisiniers ici. Ils prennent tous parti pour un postel. Ça alors. Lui. Mange-en. Si tu manges, cela montrera que la cuisine de mon frère est bonne. Je vais mourir. Je vais mourir si je fais ça. Ah, faut que je me déplace. Attendez. Attendez, je me déplace. Alors. Ryu a mangé la nourriture. Ça lui donne un peu la nausée. Est-ce que son imagination. Je vais bouffer ça en premier. Ryu a mangé la nourriture. Ça lui donne un peu la nausée. Ah d'accord, ok. Ryu a mangé la nourriture. Il repense aux ingrédients. Un verre, qui fait un mouche. Il vomit. Oh c'est moche. Ah bon, je vais. Faut s'imaginer la scène en 3D. En 3D, ce serait tellement marrant. Nintendo, refaites ça en 3D, s'il vous plaît. Je ne peux pas croire que tu aies fait ça. Ah, c'est la fin, ce pays va être gouverné par l'imposteur de droite. Et nous allons tous être tués. Alors, que nous serons mieux sans ce château. D'accord. Je vais tout faire sauter. Ok, je vais tout faire sauter. Très bien. C'est la débandade. Quoi? Elle va faire sauter le château. Non, nous l'avions enfin gagné. Oh, je ne te serais pas le rasé. Bon, vite, un dernier combat. Non, ah, ma soeur est en danger. Pardonnez-moi, j'ai été menacé par l'imposteur. Mais à ce stade, ce n'est pas une solution. Si vous pouvez protéger mes tapis de connard et mes tracades. Mais vous êtes. Toi, t'as un trou du cul. Je te déteste, Philippe Etchebest. Heureusement que je me suis soigné. Oh là là, ça fait au moins 4 boss. Est-ce qu'il y a un Jean-Michel dans les chiottes? Waouh! Je savais même pas qu'il fallait faire ça. Putain, j'ai coupé des trucs. J'ai fait ça au pif. Je vous jure, j'ai fait ça au pif. Je vous assure, faut me croire par contre là. Non, peut-être pas ici. D'accord, très bien. C'est la salle du boss. Yeah, c'est le boss. C'est le centre du château. En fait, il y a une sorte de grand pouvoir ici. Je suis le méchant depuis le début. Cette fille a essayé de mettre ceci en route afin que de tout faire exploser. Après avoir travaillé si dur pour atteindre cette position, je vais pas laisser tout raser. Bon, oui. Quadra. Ce secret est connu de moi seul. Je vais devoir tuer cette fille. Et vous? Et cette teinte grise n'a aucun rapport. Et tu es très très laid. J'utilise le pouvoir du dragon de... feu. 4 attaques, lampe d'attaque. Mina, s'il te plaît, baisse sa défense. Aïe. Ça pique. Pas à frais poste. J'ai pris combien, je crois que j'ai pris. J'ai pas lu, j'ai pas tout lu. Je vais lui prendre un petit 47 dans ma gueule. Paf de 120... Oh, 128, tiens. C'est peu. Si Kat se prend une attaque, elle est morte. Échec. Stupide. J'ai fait fuir. Mais quel sac. Deux fois. Deux fois, je l'ai fait. Je suis consterné par... 132 de critiques. Allez, s'il te plaît. Et je... Ah, j'en ai marre. Bon, si Nina ne marche pas, autant utiliser un sort.
Whip. Ah. J'ai mal. Il est mort. Il est décédé. Comme une grosse tanche. Est-ce que je vais mourir? Et c'est reparti pour... Bon, on va finir sur une mort, hein. C'est pas mal, hein. J'aime bien cette fin. Par hasard, j'ai pas un petit soin. Ah. Allez, le soin sur Ryu. Parce que pourquoi pas. Oh, l'esquive! L'esquive incroyable! Paf, 100%. Bon, que en PV. Ah, c'est... Ça suffit! Ah, ça, ça veut dire que... Il est peut-être... Il doit être énervé, là. Par hasard, j'en ai pas un autre. Ok. Alors, pensez, après ce combat, à acheter des herbes vides. Plein. Genre au moins 3. Toi, non, t'as rien. Bon, bah, Nina, c'est fini. Hein. Plus rien. Si je suis le défi, ça sert à rien. Lund. Ah, Lund, si je tente un sort. Allez, le critique, il est pour Lund qui encaisse. Un petit critique à 140, incroyable. Nous devrions y aller. D'accord. Très bien. Putain, il a interrompu un sort et mon tour de jeu. Je considère donc qu'on entre dans la phase critique de ce boss. Pas critique. Deuxième critique. Allez, one shot. S'il te plaît. Ah, c'est nul. Ah, c'est nul. Ah, c'est très très nul, dis donc. Alors, c'est pour qui? C'est pour moi et je décède. Et ben voilà, en plus. En plus, bon, Ryu, Nina, dis pour l'XP, on s'en fout. Pourquoi? Dieu m'a accordé des pouvoirs spéciaux. Pourquoi perdrais-je contre vous? Mais je ne vais pas mourir si facilement. Je vous emporterai avec moi. Blablabla, je fais exploser le château. Voilà. Ah, ça bouge. Explosez-moi les têtes. Et paf. Il est dispersé, explose et meurt. Nani, tout le monde se calme. Ils ok, tout va bien. Je me suis assoupi. Je maîtrise. Je crois. Ce n'est point un détonateur. What? Ouais. C'est une lumière. Pour une porte. Oh, une épée. J'aime bien cette épée. Je peux la prendre, s'il te plaît. C'est ici que l'épée légendaire a été placée. Oh, nous avons monté à tout le monde en disant qu'il y avait un détonateur afin d'éloigner les pillards. Ah, mais ma soeur est si grave. On dirait qu'elle croit toujours que c'est la vérité. Connard. Non, ma chère soeur, es-tu morte? J'ai touché le détonateur. Qu'est-il arrivé à l'imposteur? Non, mes très chers amis l'ont tué. Ah, peu m'importe, ma chère sœur, je suis sûr que tu sois saine et sauve. Plus j'exprimais ma joie par une chanson. Ah, ma forte et adorable sœur, je ne chanterai pas. Nickel, je criais tout le temps car je voulais que tu sois plus responsable. Mais apparemment, j'avais tort. Tu es merveilleux tel que tu es, joyeux, libre et poète. Je suis désolé. Je pensais que j'ai mis un peu trop poussé. C'est pas vrai, Maurice. Je pensais devoir être forte et responsable pour nous tous, et je ne suis devenu qu'une arriviste. Mais maintenant que je pense que mon frère est bien tel qu'il est, je vais arriver. Je me sens mieux. Ah, retournons voir mon père. D'abord, je veux l'épée. Donnez-moi mon épée.
Je vous suis, hein. Je vous suis. Ryu utilise toute sa force pour tirer l'épée. Il a une épée, la lame pure. La lame pure qui me confère un petit boost d'attaque, mais plus d'esprit. Bon. Bien, mesdames, messieurs, chers viewers, je vais m'arrêter là, ça fait 1h10, j'ai dépassé ma session de 1h, c'est pas grave. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode qui aura contenu non pas 1, ni 2, ni 3, mais 4 boss. Hein, du suspense, toujours. C'est ça qu'on apprécie dans ce jeu. Si ça vous plaît, bien sûr, tout ce qui est like, commentaire, des strats, des trucs, des astuces. Il y a aussi un Twitter. Abonnez-vous pour ne pas rater les autres vidéos et la suite de Breath of Fire 2, entre autres. Et j'ai tout dit, tant sur les choses qui s'affichent à la fin des vidéos, je pense que vous le savez. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Breath of Fire 2.